Hey, salut tout le monde, c'est Bouscaman, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de ma chaîne malheureusement, et oui comme vous le voyez je suis très inactif en ce moment, je n'ai plus l'envie de faire de vidéos, donc j'arrête eh bien ma chaîne YouTube, donc ceci est le dernier gameplay de ma part. Non je déconne hein, complètement, je rigole, je reviens de vacances tout simplement. Bon c'est pas la seule explication aux 3 semaines d'absence. Écoutez, j'espère que vous allez bien après ce petit... Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'espère que vous allez bien, moi ça va, je pète la forme. Voilà, je suis en vacances, jusqu'à la fin du mois encore. Donc c'est cool. Donc on se retrouve sur... pour le comeback, on va appeler ça comme ça, le petit comeback de la chaîne YouTube, la saison 2. Vu qu'il n'y a pas réellement eu de coupure depuis... depuis que Blood Skyman a commencé. Alors vous l'entendez à ma voix, j'ai un nouveau micro. Que j'ai essayé de régler au mieux. Bon, j'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Hop. Donc un gameplay zombie. Alors pourquoi un gameplay zombie? Le multi me casse un petit peu les couilles. J'attends que Lucas revienne de vacances pour qu'on puisse reprendre la ligue ensemble. Lucas étant le pote avec qui j'ai fait l'épisode de Road to League. Au cas où, je vous le dis. Il y a Jellyzo aussi qui devrait revenir. On devrait faire un Road to League à 2, à 3. Bref. Peut-être d'autres personnes. J'ai essayé de me concentrer un petit peu. Alors, le comeback, en effet, 3 semaines d'absence et depuis 3 mois, un peu, on va dire, des vidéos mises en ligne sans réel. Bon, bref, c'était un peu bizarre. Je sais pas trop. C'était, on va dire, ma période où je n'avais plus de PC. Donc on va dire que ça fait 3 mois que je n'avais plus de PC. Là j'ai eu un nouveau parce qu'en fait mon PC n'était pas réparable. Donc en fait si vous voulez... Asus eh bien... m'ont donné un avoir du prix de mon ancien PC. Ce qui fait que j'ai pu me racheter un nouveau PC. Voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour moi, donc du coup j'ai un nouveau PC portable, hein, toujours. Donc je vais pouvoir reprendre des vidéos comme je le souhaite. Voilà, il y aura plus d'une vidéo par semaine, truc comme ça. On va revenir avec l'ancien... T'as le S12 en zombie, il est plutôt badass. On va revenir vraiment avec l'ancien... avec mon ancien système où 2 vidéos par... 2 à 3 vidéos par semaine. Donc je vais reprendre le let's play. Je vais reprendre le let's play de Batman. On va essayer de le terminer. Alors j'ai un petit problème, c'est que j'ai enregistré un épisode. Donc forcément, ça fait longtemps que je l'ai enregistré, ça va faire un mois. Forcément, je pense que je vais dire sûrement des choses dedans qui doivent dater un peu. Peut-être genre des projets ou des choses comme ça, mais qui ne sont plus d'actualité ou pas. Enfin, ça dépend. Bref, il faudra prendre ce que j'ai dans cette vidéo avec des pincettes, MDR. Et j'avais un autre épisode que j'avais enregistré, mais je faisais que des quêtes secondaires. Bah, ça n'a pas trop. Ce que je faisais dedans, c'était pas trop important pour, on va dire, l'histoire principale. Mais je l'ai plus en fait cet épisode-là. C'est juste ça. Donc peut-être qu'il y aura un mini trou dans le let's play, mais alors c'est vraiment un mini trou, je pense. Donc voilà, c'est juste ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo quand même. On va essayer de finir le zombie. Je sais pas combien de manches je vais aller, mais bon. Au niveau de la PS Vita. Alors là, c'est un message que je... Un message fort et clair que j'aimerais vous dire. Tout simplement, à tous ceux qui me spamment sur le PSN pour que je joue avec vous. À Minecraft PS Vita, arrêtez s'il vous plaît. Vous êtes bien gentil, hein. Moi je vous ai. Je. Voilà, je. Alors il est vrai que dans ma vidéo. Dans les vidéos que j'ai fait sur PS Vita, je vous ai dit ajoutez-moi si vous voulez faire par exemple ma map horreur ou d'autres choses comme ça. Mais. Voilà, la vidéo a 6 mois, plus de 6 mois maintenant. Ça date un peu. J'ai joué déjà avec beaucoup de monde sur cette map. Enfin, bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout simplement. Et maintenant, voilà, c'est plus d'actualité. Donc, voilà, j'ai même plus l'envie, forcément, de jouer à Minecraft PS Vita ou autre chose.
Donc s'il vous plaît, pour mon bien et voilà, arrêtez s'il vous plaît de me spam tous les jours parce que je vais avoir une vingtaine de messages chaque jour. Est-ce que tu peux jouer à Minecraft PS Vita? Voilà, donc la force est un petit peu chiant, je tiens à vous le dire. Et une personne, si tu regardes la vidéo, peut-être que tu te reconnaîtras, qui m'envoie 5 invitations. Une vingtaine d'invitations par jour et 5 par 5. Hein. C'est pas une invitation, c'est 5 par 5 carrément pour que je sois bien au courant qu'ils veulent jouer avec moi. Bref, voilà, tu le fais plus, ça s'il te plaît. Tu arrêtes. Merci. Voilà, je le dis gentiment, tout ça. Non, mais vous êtes gentil, mais moi, la PS Vita, ça a beau être ma console préférée parce que j'ai toujours été un fanat de console portable. Minecraft, j'en ai un peu ras le cul et puis en ce moment je suis à fond FPS, Call of Duty en tout genre. Et je ne m'intéresse plus du tout au. Ah ouais, alors en illimité, ce gun, c'est un magnum mais en amélioré. Hein. Oh là 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 là, c'est le feu. Hein. Les amis, vous imaginez ça en ligne? Ouais, là, là tu. C'est le feu. Bon, bref. Donc voilà, c'était le message fort que j'avais à passer de cette vidéo. Au niveau des nouveaux projets, on va revenir à la PS Vita. Je compte faire quelques vidéos, déjà des vidéos découvertes de certains jeux, Resident Evil par exemple, ou Révélation 2 qui va sortir à la fin du mois, ou G-Star, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Dédicace au Yeti des plages aussi. Yeti des plages, tu te reconnaîtras. Concentration là parce que c'est un peu de la survie que je suis en train de faire avec mon gun. Toi tu te calmes. Oh non mais ouh là 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 là, c'était la mort pour moi là. Hein. Donc voilà, des vidéos découvertes, une vidéo spéciale aussi pour la PS Vita que je voulais faire depuis longtemps et que je vais faire avec mon nouveau PC vu que maintenant voilà je peux. Et tu meurs toi? Je suis concentré de ouf. Hop. Oh la colate. El colato. Une autre colate. Ah elle a pas pris celle-là. Colate hit marker, je crois bien. Bon. On va te laisser tranquille. Donc voilà, pour les projets PS Vita. Oui bah merde si j'allume pas aussi. Au niveau de tout ce qui est nouveau jeu aussi à venir, on va. Voilà, la vidéo, ça va être vraiment en vidéo sur tous les nouveaux projets. Il y a le Need for Speed que j'attends. Je crois que ça doit être le jeu que j'attends le plus. Devant Black Ops 3, Battlefront et tout ce qu'il peut y avoir. Need for Speed, c'est vraiment le jeu que j'attends à mort. Alors je sais pas encore si je le prends sur PC ou sur PS4. Il faut que je vois un peu ce qu'il donne sur Play. Mais bref, en tout cas, je pense que je vais le sécher de ouf. Ouh la collate headshot qu'aurait pris là, ça aurait été sympa. En parlant de Black Ops 3 aussi, il y a la bêta, donc j'ai reçu mon code de la bêta, j'ai toujours pas activé mais ça va pas tarder. Bref. Donc il y aura des vidéos sur la bêta bien entendu, même si je pense qu'il va y en avoir 35 milliards sur le net. Mais bon voilà, je me ferai un petit avis comme ça. Hop. Alors, vite. Mine ton boule. Ils sont tellement hardcore eux. Au moins, il y en a trois. Voilà, c'est bon. Un peu concentré là. Oh, bombardier, en plus, c'est cool.
Voilà, des vidéos sur Black Ops 3. Peut-être un let's play sur Need for Speed, mais en tout cas, il y aura des épisodes avec des potes sûrement dessus. Bon, ça risque d'être la grosse dinguerie ce jeu. Je l'attends de ouf. Oh, SM1. Je pense que je vais la garder. Hein. Hop. Donc on va aller chercher Masto après. Oh, c'est les infectés. J'aime pas les infectés. Putain. Ouh là, il y a du monde. Enfin, il y a des infectés. J'ai pas envie de me faire infecter, j'ai pas envie d'ouvrir là-bas pour l'instant. Alors. Il y a The Division aussi. Bon, voilà, en même temps, ça, on est le... Il y a la Gamescom qui est passée. J'ai même pas pu faire mon avis sur le 3 aussi, parce que vu que j'avais plus de PC, bah, j'ai pas pu trop dire ce que je... Bah voilà, fallait que je me fasse infecter, nique ta mère. Parce que, bah du coup, ouais, vu que j'avais pas mon PC, je ne pouvais pas faire une petite vidéo comme l'année dernière où je pensais ce que je... Où je pensais... ce que je pensais de l'E3, tout simplement. Alors, je pense que ça a été un bon E3. Il y a eu pas mal d'annonces de jeux, bon, des choses qu'on s'attendait, bien sûr. Mais c'était cool. Un bon event. On va vite aller acheter Masto. Hop. On va prendre ça dans les endroits les plus... J'ai envie d'aller prendre vite fait... On le prendra à la prochaine manche parce que... Hein. Touche pas à ma tondeuse. Bon, je pense à un petit zombie, voilà, ça me détend, moi, j'aime bien. Je trouve c'est cool. Après, je sais pas si vous aimez. Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur zombie in the world, celui d'Advance Warfare, mais il est bien. Ça détend, ça fait plaisir. Touchez pas à ma tondeuse. C'est une John Deere, elle m'a coûté cher. Énorme. Ouf. Alors, est-ce qu'il y aura encore des zombies? Hop. Bon, je pense qu'on est bien là niveau armes. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. Je suis en train d'économiser masse. Ah oui, bah alors, petite. J'ai eu mon CAP cuisine. Alors, en fait, bon, je vais raconter un petit peu mes vacances quand même. Donc voilà, j'ai eu mon CAP cuisine parce que voilà, ça faisait 2 ans que j'étais en apprentissage. Je ferai une vidéo. Je voulais faire une histoire de la semaine et j'ai appelé ça l'histoire de 2 ans parce qu'un CAP c'est en 2 ans. Donc voilà, pour reprendre la petite série que je faisais avant l'histoire de la semaine, bah là on va appeler ça l'histoire de 2 ans tout simplement. Donc j'espère, voilà, j'avais envie de la faire depuis longtemps cette vidéo. Je me suis dit dès que j'aurai mon CAP. Je ferai cette vidéo-là. Donc tout simplement... Voilà, je l'ai eu. Donc ça fait un mois que je le sais maintenant. Je trouve que cette map, c'est la mieux. Hein. Avec Burger Town, là, elle est quand même bien cette map. Et donc bref, donc là j'ai un mois de congé payé, je ne retournerai plus jamais dans cette entreprise ou là où j'ai fait mon apprentissage. Donc c'était un peu compliqué quand même pendant 2 ans, mais j'en dirai plus dans la vidéo justement qui arrivera pour ça. Je sais qu'il y a un des abonnés qui est entré cette année en CAP cuisine, donc d'ailleurs je te fais une petite dédicace. La vidéo dédicace, hein. J'espère que tu vas pas trop en chier comme j'en ai chié, mais tu vas en chier de toute manière. C'est normal.
Tout le monde en chie. Et moi j'en ai vraiment chié de ouf. Bah, j'espère que tu tomberas sur une entreprise cool. Et donc voilà, je suis parti directement en vacances. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu poster de vidéo. Parce que... Bah vu que je suis parti en vacances, un peu compliqué, tu vois le truc. D'accord. On va en profiter pour améliorer. Hein. Et non. Je sais pas où ils sont les zombies là. Il y a du monde. Le truc qui sert vraiment de ouf, quoi. Putain, merci. Donc direct dès mon premier jour de vacances, bah, je suis parti au camping pendant une semaine. C'était une semaine super, c'était vraiment bien. C'était le feu. Bon, voilà, toujours la petite tristesse, toujours la petite tristesse de la fin des vacances. Ouais, donc j'étais un petit peu déprimé. Mais ça va mieux là depuis une semaine. Ouais, donc c'était bien cool. J'étais avec mes cousins, tout ça. J'étais avec le Yeti des plages. En fait, le Yeti des plages, si vous voulez comprendre un peu le délire, c'est mon petit cousin qui a 10 ans. Il est tellement poilu que je l'appelais le Yeti des plages vu qu'on était à la mer, voilà. Donc c'était assez MDR. C'était drôle, faut le dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai tellement de trucs. On va tout. Ça, comme ça, je. On va vite fait aller chercher la bombe. Mène ton boule. Des âmes, des âmes, des âmes, des âmes. Hop, on va des âmes, des âmes, des âmes, des âmes, des âmes. Est-ce que je vais avoir le temps? C'est bon. Bon, j'ai encore eux du coup, c'est cool. Hop. On va attendre qu'il y ait vite fait des zombies. Donc voilà, je l'appelle Yeti des plages parce que c'est vraiment impressionnant la quantité de poils qu'il a, ce gamin. À 10 ans, il en a plus que moi, tu sais. Je me barre. Ça, c'est pas mal là où je l'ai mise là. Juste à couvrir mes arrières. Reste couché. Oh putain, il a quand même réussi ce fils de porc. On va ouvrir après. Voilà, je pense que c'était à peu près tout au niveau des news. On va continuer notre vidéo zombie comme ça. Voilà, tranquillement, en essayant de se concentrer un petit peu, pour pas trop mourir. Allez, tu viens. C'est quoi ici? Oula, il y a du monde là. Oh, nice. Alors ici ça doit être exotactique, je sais pas ce que c'est. Je vais d'abord prendre exomédecin qui est en haut là. Hop. Vite, 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 vite. Nice mec. Ok, ça c'est nice, on va pouvoir rester là tranquillement. On va attendre, on va recharger. Ce serait bien s'il y avait un peu plus de munitions dans le S12. Parce que même si tu l'améliores, il n'y en a pas plus. C'est un peu la dèche.
Donc là, j'espère que vous êtes content de que la chaîne reprenne un petit coup de boost. Bon, moi, ça me, j'avoue que faire des vidéos, c'est quand même, on va dire que c'est une espèce de drogue à moitié. Genre, je pourrais pas, là, je peux pas m'en passer en fait. J'avoue que ça m'a fait, oh putain, j'ai failli mourir, mon... putain, t'es malade. Donc j'avoue que c'est un petit peu chiant pour moi le fait de. Oula, oula, vous avez vu le bug de ma manette là? Ça me le fait assez souvent sur PS4. S'ils peuvent monter par là, c'est relou. Hein. C'est un peu dangereux ce que je suis en train de faire. Voilà, on va être un peu tranquille 2 secondes. Alors, on est une merde? Hop. Voilà, on est peinard. Hop. Peut-être falloir que j'utilise mon ASM1 parce que. Ouais. Peut-être. Bon, en tout cas, j'espère que le micro ne vous dérange pas trop, le nouveau micro. Je me suis acheté un nouveau casque en fait, c'est un casque micro. Donc c'est pas la même qualité que mon ancien, parce qu'en fait, enfin, bah, c'est le PC qui fait ce bruit-là. C'était pas avec mon PC en fait que j'enregistrais le son de ma voix. Et donc du coup avec le PC, bah, ça fait un bruit, ça fait un son un peu bizarre par rapport à mon ancien. Mais la qualité est meilleure que mon ancien. Bref, c'est un peu bizarre à dire. C'est juste le PC en fait. Qui fait un bruit un peu bizarre. J'avoue. Ouais. Oh, munitions. Au niveau de la vidéo setup, j'attends juste mon nouveau PC aussi. Voilà, je suis en train d'économiser pour. Mais bon, ça arrivera pas avant Noël, je pense. Un peu avant Noël peut-être, mais je vais voir. Je l'ai pas passe-passe encore. Non, va falloir que j'achète. Là, je commence à avoir pas mal de thunes, mon pote. Je sens que la vidéo comeback, elle va durer longtemps. Hein. Donc après, voilà. Moi, j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez arrêter là, bah, vous arrêtez là. Si vous aimez les zombies et que vous voulez continuer, bah, vous continuez. Simplement. Si vous avez entendu tout ce que j'avais à dire, c'est le principal. J'ai plus de balles, là, poteau. Hein. Il me faut des balles. Sinon, je vais m'ennuyer. Comme ça. Hop. Nickel, neg. On va vite. Ouais, t'inquiète. Alors, exotactique, je sais pas ce que c'est du tout. On va aller le prendre. On va prendre ça aussi. Oh, une bombe, c'est génial. Bah, les steaks. Je suis invisible. Voilà, nickel.
est doublé. C'est marrant quand ils ne voient pas les zombies quand même. Bon maintenant. Presque plus de balles. T'as le x2 là mon gars. Oh nice ça. Me tue pas, 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 me tue pas. Je suis mort, c'est génial. Oh là là, le mec il te fout dans le mal dès. Ça va, j'ai pas mal de thunes, j'ai rien perdu en plus. Si, juste exotactique. Et exo-médecin. Alors, exotactique. Ah non, je l'ai. Il faut passe-passe. Exo-médecin. Ça va, il coûte pas cher. On va juste améliorer ça au passage. Et il me faut tour de passe-passe, non? Je sais pas ce que c'est exotactique en fait. T'as, elle est bien la CM1. Hein. Pas dégueulasse. Hein. Je la prends toujours en zombie, dès que je tombe dessus, je la prends. Ah ouais, je sais, je sais. Je tentais de me refaire une petite boîte quand même au lieu d'améliorer comme un triso depuis tout à l'heure. Bon allez. On va la garder une manche de plus, on l'améliore, on la garde une manche de plus. Oh, il y a une nouvelle map qui est sortie, j'ai pas eu le temps de la télécharger. Là on est sur PS4 mais j'ai pas eu le temps de la télécharger sur Xbox. Mais je le ferai, je ferai sûrement une découverte peut-être avec des potes dessus, je vais voir. J'ai rejoué vite fait il y a 2 jours, hier à la Xbox. Et voilà, c'est tout. D'accord, c'est déjà fini, c'est génial. Et bon là c'est vrai que je sais pas trop ce qu'ils vont avoir Xbox hein, sans déconner, parce que vu que le partenariat de code passe dessus, bah voilà, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils vont. C'est chaud pour eux quand même. Bon, même s'ils ont Halo, Halo ça n'intéresse à que les pros on va dire. Les gens qui adoraient cette série. Les pros FPS si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je sais pas s'ils peuvent vraiment faire mieux qu'avec Call of Duty. Bref, c'est peut-être pas une très bonne chose pour eux le partenariat avec Sony là. Vu que Sony est en train de bouffer tous les partenariats en même temps. Un peu la dèche pour eux quand même. Hein. Il passait derrière moi ce bâtard. Le nombre de points que je me fais. T'as raison. Oh non! Oh la défaite. La défaite manche 19, la manche la plus pourrave in the world. Ah je voulais aller plus loin que ça, en plus j'avais tellement de thunes, j'étais trop bien.
J'étais trop bien. Bon, on en est à combien de minutes de vidéo? 30 minutes, c'est pas mal. C'est à peu près ce que je voulais de toute manière. Moi, je 19, c'est pas le top, hein. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo comeback vous aura plu. Et puis, on se retrouve eh bien pour la suite, hein, tout simplement. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien.